The art of creation. You bring decadence to experience extravagance. Well, good evening, ladies and gentlemen. Good evening, everyone. Look at our beautiful fashion TV models. Welcome, ladies and gentlemen. Versace is so fantastic. Versace himself was a man, so full of life. He was a man who cared about everyone. We're in a time right now where there's a lot of love, there's a lot of sadness, there's a war going on, but you all decided to come together tonight. Welcome to Cannes! Attends, attends, ne lui envoie pas de message. Je sais que tu as envie de craquer, que tu as envie de prendre de ses nouvelles pour savoir s'il tient encore à toi, s'il pense encore à toi. Mais n'oublie jamais que quelqu'un qui tient sincèrement à toi, quelqu'un qui t'aime profondément, fera tout pour te voir. Bon, les amis, déjà, on va pas se mentir. Pour une femme, pour un homme, c'est plus simple, mais pour une femme, c'est hyper compliqué d'avoir des abdos. Parce que nous, les femmes, bah, on a les hormones qui travaillent, on a les périodes menstruelles, on a des ballonnements, le ventre. Donc on a toute de la graisse au ventre, les filles. Il faut juste arrêter de manger des bêtises. C'est ça qui fait que vous allez sécher. Parce que les filles, voilà, qui ont des abdos, mais qui ont les jambes toutes fines, qu'elles sont toutes fines, non, ça va pas. Parce que quand t'es musclé de partout, en fait. Donc souvent, quand vous voyez des filles sur Instagram, voilà, qui ont des abdos de malades, à part si elles se tuent de sport et que voilà, au final, ses cuisses, elles sont proportionnées par rapport à ses abdos, à tout le corps musclé, c'est de l'abdominoplastie qu'elles ont fait. L'abdominoplastie, ça consiste en fait, le chirurgien, il vous enlève la graisse au niveau des abdos pour les faire ressortir. Donc moi qui me tue de sport et qui mange hyper bien, j'ai le ventre plat, mais j'ai les abdos qui ressortent, oui, mais ils peuvent pas être tracés de mal. Bref, tout ça pour vous dire, les filles, que Instagram, tout ça, les photos, c'est pas ce qui est vrai. Voilà, donc soit il y a de la chirurgie, soit il y a des retouches. Donc voilà, donc les filles, si vous n'avez pas toutes des abdos, c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous voulez faire attention, moi en tout cas, en ce moment, j'ai énormément séché au niveau du ventre. Donc je suis trop contente. Et clairement, c'est grâce à Katlon. Regardez la preuve, là, j'ai une petite faim et je vais prendre des boules de soja protéinées. Donc ça me permet justement de couper la faim. Et en plus, c'est trop trop bon. À midi d'ailleurs, je l'ai toujours pas terminé parce que j'avais pas très faim. Mais j'ai commencé donc ma barre protéinée. Ça remplace un repas en fait. Donc c'est trop bien, c'est rapide et c'est trop trop bon et équilibré. Non, pas du tout, parce qu'en fait, ils ont une méthode de stabilisation. C'est pour ça qu'ils vous accompagnent vraiment de A à Z. Et en fait, au lieu de remplacer deux repas, vous n'en remplacez qu'un. Donc voilà, les deux autres repas, vous faites quand même attention. Et donc vous prenez qu'un repas à 4 lions. Alors les résultats, c'est vrai que ça a été assez rapide. Bon, déjà parce que je me tue de sport. Et en plus de ça, honnêtement, déjà dès la première semaine, j'avais déjà perdu à peu près 1,5 kg. Et là, je suis trop contente, je suis presque à 4 kilos, moins de 4 kilos grâce à 4 lions. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que c'est tellement trop bon qu'en fait, tu ne vois pas le temps passer, ça passe hyper vite. Et déjà, au bout d'une semaine, tu perds des kilos. Donc c'est ça qui est trop bien. Et même si t'as une petite fringale, t'as faim, bah t'as des boules healthy au chocolat, c'est incroyable. Je les ai pris, c'est comme des Maltesers. Et ça fait pas gros. Oui, les amis, je vous le mets juste en dessous. Vous avez moins 15% sur tout le site. Et il est valable que 24 heures, donc dépêchez-vous. Et en plus, je suis trop contente de travailler avec cette marque. Parce que, honnêtement, j'en suis tellement satisfaite que je veux vraiment partager.
Et me demandait tellement de vous recommander des marques qui marchent vraiment. Et du coup, je suis trop contente parce que vraiment, ça marche de folie. Et je suis trop contente parce que là, vraiment, je construis un vrai body goal pour cet été. Donc, c'était mon but. Et franchement, Katlon, ça m'a... Bon, les amis, en tout cas, Katlon, il continue les challenges pour cet été parce que c'est la base d'avoir un vrai body goal pour cet été. Du coup, vous pouvez continuer le challenge. D'ailleurs, grâce à mon code promo, vous avez moins 15%, que ce soit pour les anciennes ou les nouvelles clientes. En plus de ça, vous avez plein d'aides, plein de coachs qui vous aident. Et ce qui est trop bien, c'est que souvent, on a tendance à faire avoir l'effet yo-yo, reprendre, perdre du poids. Là, non, pas du tout. Ils ont des méthodes de stabilisation qui permettent justement de durer dans le temps et de garder cette perte de poids dans le temps, en fait, dans la durée. Et c'est ça qui est vraiment important. Et franchement, en un mois, vous pouvez perdre, selon comment vous êtes sérieuse, 3 à 5 kilos. Donc, c'est franchement... Je voulais revenir au message que j'ai partagé juste avant. Et oui, je trouve ça important de signaler que Instagram, c'est pas la réalité, les gars. Déjà, de un, forcément, il y a plein de retouches, etc. Il y a des filles, elles se retrouvent avec des tailles comme as, avec des fesses comme ça. Enfin, ça ne peut pas être un vrai corps et ça ne peut pas être la réalité. Il y a aussi des filles qui prônent qu'elles font du sport H24, etc. Alors que c'est de la chirurgie, soit des injections, soit elles sont passées sur le billard, elles ont tout refait, que ce soit les abdos, les fesses, les ci, les ça. Et elles vont faire croire que c'est grâce au sport. Sauf que non, on va pas se mentir, tout le monde a déjà fait du sport. Même moi qui fais énormément de sport, forcément, j'ai toujours un petit peu de graisse sur le ventre. On peut pas arriver à la perfection à part si tu fais des compétitions, etc. Mais aussi, il faut apprendre à s'accepter comme on est et surtout à faire le maximum de ce qu'on peut. Le principal, c'est d'avoir du mental et d'aller au but que l'on s'est créé, en fait. Bref, on va pas se mentir, les gars, vous voyez bien que moi qui essaye de prendre en fessier, forcément je prends en masse musculaire, donc je grossis du ventre, c'est logique. Un corps, si tu grossis de partout, tu ne peux pas que grossir d'un endroit. Donc ce n'est pas possible d'avoir des jambes fines comme ça, d'avoir des abdos hyper tracés et d'avoir un cul comme ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas digne d'un corps humain, ce n'est techniquement pas tout simplement possible. Donc voilà les gars, c'est pas forcément la réalité. Donc arrêtez de croire que les photos Instagram, les corps parfaits, ça existe. Non, soit c'est de la chirurgie, soit c'est des injections, soit c'est des retouches.